Bonjour à tous, nous sommes ici au Mondial de l'Auto et nous allons découvrir en exclusivité les applications partenaires Renault disponibles sur OpenAir Link. Alors OpenAir, c'est le tout nouveau tableau de bord qui sera disponible dans les nouvelles Austral et Mégane e-tech 100% électrique. Alors avec son interface aussi agile qu'un smartphone et 100% personnalisable, OpenAir offre une multitude de contenus inédits et réinvente le plaisir de la conduite. Alors j'ai le plaisir de recevoir Yann Degarçon, directeur général de Radio Player France. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Bonjour. Alors Yann, l'application Radio Player, c'est quoi ? Radio Player, c'est une application qui va vous permettre à partir de votre véhicule, de votre smartphone, de votre enceinte connectée, de votre télévision, de retrouver une offre de radio gratuite et officielle. Officielle parce que c'est une offre qui est proposée directement par les radios françaises et européennes à destination de leur public. Radio Player en France, c'est plus de 240 radios, 700 web radios et plus de 200 000 épisodes de podcasts accessibles gratuitement, sans inscription, au sein de votre voiture Renault. Alors concrètement, comment ça marche l'application ? Comment on se connecte ? Est-ce qu'il faut créer un compte ? C'est très simple. Vous allumez votre voiture, vous téléchargez l'application Radio Player for Renault qui est disponible sur le store directement dans votre véhicule. Et une fois que vous l'aurez ouvert, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le logo de la radio de votre choix. Parce qu'en effet, Radio Player, c'est une application complètement gratuite. Pas d'abonnement. Et il n'y a pas non plus d'inscription, puisqu'on n'a pas de volonté de suivre l'activité de nos utilisateurs. On est vraiment là pour proposer une offre de radio complète et de qualité. Et alors, donc, on accède au direct de la radio, mais alors si on a manqué, par exemple, le début d'une émission, est-ce que c'est possible de la reprendre depuis le début ? Pas de panique, je sais que vous êtes fan d'une émission à 8h45, je tairai le nom de la radio, mais si vous arrivez dans votre Mégane à 8h55, vous aurez effectivement la possibilité de retrouver la chronique que vous avez manquée, soit par le biais d'un dispositif qui sera disponible prochainement, qui s'appelle le Startover et qui va vous permettre de revenir en arrière sur le direct, ou aussi tout simplement par le podcast qui est disponible quelques minutes après la diffusion d'une émission. Il faut savoir qu'on a l'intégralité des podcasts et replays pour l'intégralité des radios présentes au sein de notre application. Donc, aucun risque pour vous de rater votre émission préférée. Vous m'avez dit, vous avez créé l'application en exclusivité Radio Player for Renault. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu plus ce partenariat ? Oui, bien sûr. Radio Player for Renault, c'est une application exclusive que vous allez retrouver uniquement dans les Renault Mégane et Austral sur le système OpenAir. C'était important pour nous d'avoir un partenariat avec Renault puisque Radio Player est une société d'innovation. Renault est un constructeur automobile depuis toujours aussi très focusé, très branché sur l'innovation et c'était logique pour nous, en quelque sorte, de s'associer avec Renault pour proposer le meilleur de la radio au sein des véhicules Renault. La radio est écoutée par plus de 4 Français sur 10 chaque jour dans la voiture. C'était essentiel pour nous de proposer une expérience de qualité sonore, parce que c'était un prérequis pour nous de proposer de la haute qualité au sein des voitures Renault de par l'excellence des systèmes audio au sein des véhicules. Et puis c'était important pour nous aussi de proposer de la qualité en termes de métadonnées puisque lorsque vous écoutez une radio dans un véhicule Renault, vous allez pouvoir aussi voir les pochettes d'albums, vous allez pouvoir voir les titres artistes en cours de diffusion ou tout simplement, comme je vous le disais précédemment, réécouter une émission que vous auriez ratée. Alors Radio Player, c'est aussi en termes de qualité quelque chose d'exceptionnel parce qu'on va avoir accès à toutes les radios partout en France, où qu'on soit. En fait, lorsque vous écoutez votre radio sur un poste FM ou DAB classique, vous allez pouvoir écouter votre radio à partir du moment où elle émet sur un territoire. Dans le cas des radios nationales, vous arrivez à peu près à switcher entre telle fréquence FM de telle ville et une autre dans l'endroit où vous vous rendez. Imaginons par exemple que vous écoutiez tous les matins votre radio à Rennes. C'est votre radio préférée parce que vous y retrouvez vos informations, votre musique. Vous partez en déplacement à Paris, vous partez en déplacement à Rouen ou dans un autre pays d'Europe, et bien là, pour le coup, la bande FM ne vous accompagnera pas. Et c'est là qu'intervient Radio Player, puisque l'ensemble des radios de notre offre sont disponibles sur l'intégralité du territoire français. Donc ça peut vouloir dire, pour une radio qui n'émet que sur Rennes, d'être disponible sur l'intégralité du territoire français, mais aussi partout en Europe. Alors, je le rappelle effectivement, donc Radio Player, c'est une application qui est en exclusivité pour Renault. Merci beaucoup Yann pour Merci toutes ces précisions. Et je vous rappellerai juste avant de nous quitter que c'est entièrement gratuit et sans inscription. C'est important de le souligner, c'est rare. Merci beaucoup Yann. Merci à vous. Merci. Pauline.